Camille, vous venez de prendre la deuxième place du Cordeliers avec Grandvilliers Bleu. Vous avez dû y croire à l'entrée de la ligne droite. Oh bah oui, j'y ai beaucoup cru quand j'ai baissé les œillères à la foncée. On a fait une course exceptionnelle. On est battu par une jument qui a un bout vraiment très 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 vite pour finir. Je l'ai vu hein, après, un peu après l'entrée de la ligne droite. J'ai regardé le grand écran et je me suis retournée. Je l'ai vu là et je me suis dit, bon, bah, je suis mort. Mais vous aviez très bien voyagé, un petit effort pour vous placer, puis après tout allait bien. Oui, voilà, dans les tribunes, on était forcément tous à vouloir venir se placer. Moi, j'ai fait un petit effort à cet endroit-là, mais après, je peux me replacer derrière Gladys. Donc, non, j'ai bien, j'ai la bonne course. Flamme, elle n'a pas fait d'effort du tout, donc forcément, sur un bout, elle va encore plus vite. Non, il n'y a pas de regret sur le déroulement de la course, ni sur ma jument, c'est juste d'être encore battue, c'est frustrant. Ouais, on vous imagine aux 500, vous dire, allez pour moi cette année. Ah ouais, là, quand j'ai doublé Feeling Cash, j'ai entendu François qui dit, allez Camille, enfin genre, il m'a encouragé, c'était sympa de sa part. Et là, je dis, oh là, c'est bon. Et puis, bah, quand j'ai vu l'autre, je savais que de toute façon, elle finirait très très vite, donc c'est foutu, quoi. Vous l'aurez un jour, ce Cordeliers. J'espère, et rendez-vous l'année prochaine. Merci Camille.